Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne Family Fast Cooking. D'abord, j'aimerais remercier tous mes nouveaux abonnés, sans oublier mes anciens abonnés bien sûr. Merci pour votre encouragement et vos commentaires, ça va droit au cœur. Aujourd'hui, j'ai prévu vous montrer comment je prépare mon fried rice au brocoli. Je vous laisse suivre les images. Let's go! Pour commencer, je vais mettre un peu d'huile dans ma marmite et battre mes œufs. Et là, je mets un tout petit peu de sel et je mettrai du jus de citron. Pour rendre cela un peu plus tendre. Et là, je vais griller mes œufs rapidement. Pas question de les cramer, juste vite fait. Et je vais les mettre à côté pour continuer ma préparation. Et par la suite, je passe aux morceaux de poulet. Ce sont des poitrines de poulet que j'avais coupées en dés. Et là, je viens de mettre du gingembre et de l'oignon. Je tourne le tout. J'ajoute le poivre noir. Et je tourne le tout. Et là, j'ajoute la... c'est un assaisonnement que j'ai trouvé au marché Soco, Tropical Soco. C'est un assaisonnement haïtien. C'est vraiment très bien. C'est vraiment bien pour les viandes. Et poulet, la volaille, en tout cas. Tout ce qui est viande. Je tourne jusqu'à dorer un tout petit peu. Faut pas trop les cramer, mais le poulet doit être doré un tout petit peu, légèrement doré. Et par la suite, toujours dans la même marmite, je mets mes carottes. Et là, c'est à feu vif. Ça va pas cramer. Le secret ici, il faut tourner, tourner et tourner. Je mets mes brocolis, un peu de soya sauce. C'est légèrement salé ce soya là, mais c'est dark. C'est le dark soya sauce que j'ai utilisé, légèrement salé. Et je mets du poivron vert, rouge, orange. Je tourne. Et du maïs. Et des céleri que j'ai coupé en morceaux. C'est aussi très bien dans le riz. Et là, je vais tourner le tout.
Tu vas ajouter encore une cuillerée d'huile, cuillère à soupe. Je vais tourner et tourner. Là, j'ajoute du gingembre en poudre. C'est vraiment bien. Le gingembre en poudre, c'est bien. Ça va remonter le goût. Et là, c'est la poudre de poulet. Jumbo. Pour remonter le goût. Donc il nous faut quelques épices. Et là, je mets mon poulet. J'ajoute un peu de soya, je continue à tourner. Et là, je commence à ajouter du riz que j'avais déjà préparé. Mais un riz blanc que j'avais préparé sans huile. Je vais ajouter au fur et à mesure. J'ajouterai au fur et à mesure le riz. Tout en tournant, tout en tournant. J'ajoute mon soya, mon dark soya sauce, légèrement salé. Et vers la fin, je mets mes œufs que j'avais grillés auparavant. Et je vais tourner le tout. Et là, c'est prêt. Une recette rapide et très bon à déguster. Oh là là, vous êtes tellement loin. J'aimerais le partager avec vous. Et mes brocolis étaient vraiment croquants. Très bon. Oh là là. Merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt pour une autre recette. Bye.